Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission. Est-ce que toute bagaille en forme? Nous porter quelques informations pour là parce que ça c'est un cri d'alarme pas beaucoup de monde qui vivent non Jérusalem, non Corail, eh bien des zones avoisinantes avec Canaan. Eh bien faut dire que gagne un porter boué nèg Canaan au fait ah bagaille là vraiment miel. Faut me dire non que gagne plusieurs vidéos qui rivaient joindre nous. Tenez bien, moun Corail, moun Jérusalem, levé après-midi 21 janvier 2023, eh bien c'est gardé ouais garçon Taliban, Yankees, gen l'autre non toujours eh bien nèg sa yo débarqué, yo vinn dans zone là. Sortant de là, nous connaît depuis nèg sa yo débarqué apparemment a gagné quelques exactions parce que même les gros chefs là les mêmes li passé l'autre. Eh bien, c'est irruption qui pour fait mais apparemment j'aime toujours dire ça, ti chef ou LPT, ou même, yo kon fait l'autre exaction pa yo. Gen pile information qui rive jeune moi. Information comme quoi, ta gen ka déjà ki yo fait, sou moun. Gen moun yo bat. Gen moun, eh bien, m'ta capable di ki passe mauvais moment. Et, non kon est prise d'assaut ça, pour qui ça li fait, m'bral pote détail ba nou nan émission si la. Tendez bien ça m'bral di nou. Juste avant pote bourré si la, genye, eh bien, yon texte qui est sorti depuis Canaan. Texte ça, nèg yo fait en français. Et puis, par contre, si traduit en créole parce que arabe moins femme jeune texte ça. Côté que nèg yo posé question pour dire à qui la faute. Michel Gédéon a dit, pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et l'entendre chanter. Sur ces entrefaits, moi, DG, Jeff, tête chargée, oui, Jeffrey Littlette, DG. Avec ma troupe comme leader, j'ai cru savoir qu'il y a un moment pour se battre et un moment pour cesser de se battre quand le moment est venu. Donc, j'ai su prendre de la hauteur tout en faisant preuve de mon leadership pour ma communauté et les zones avoisinantes et pour tous ceux et celles qui empruntent chaque jour la route nationale numéro 1. Français Cap Palais. J'ai décidé de baisser les armes pour ma patrie qui est en crise d'identité. Des dirigeants incapables. Si les activités ne sont pas reprises après la trêve maintenue par ma troupe au niveau de Canaan sur la route nationale numéro 1, ce n'est pas de ma faute. Bien entendu, c'est à cause d'un certain groupe de gangs à source matelas jouissant d'une certaine faveur de la police nationale d'Haïti. Les gouverneurs de ce pays font preuve, une fois de plus, qu'ils ne sont pas capables de diriger comme il le faut. La question, le port de Lafito est pris dans un étau. Jeff toujours, selon lui. Je me rappelle vous l'avoir déjà dit dans l'un de mes textes précédents que les politiciens nous tournent en rond. Ils font de la route nationale numéro 1 une route d'accès réglementée. Ils font aussi des contrats malsains, diaboliques avec le groupe G9 en famille qui veulent contrôler APN en vue de détourner des conteneurs de marchandises. D'abord, malgré la trêve accordée et maintenue, ces derniers veulent avoir leur propre port. C'est pourquoi ils font croire que la route nationale numéro 1 est une route de non-droit, ligne rouge, pour gérer leurs activités malsaines et sans vergogne. Nap continue toujours. Désormais, c'est une pure vérité. Une certaine entité de la police nationale d'Haïti fait du business en soutirant de l'argent à tous ceux qui veulent circuler librement sur la route nationale numéro 1. Aussi, au-delà de la trêve, l'unité de la PNH qui contrôle les chars blindés ne cesse d'agacer les habitants de Canaan. Cette unité, chaque jour, tire à hauteur d'homme avec des armes automatiques ainsi que du gaz lacrymogène sur la population à Canaan. Cette unité, il est évident qu'elle a pour mission d'exterminer toute la population cananéenne. Hélas, il y a un Dieu pour les malheureux. Yo pas capable. Ah, et texte là long, oui. Si la barge Catalina Blue a sombré à quai au port de Lafito avec 73 conteneurs à bord le mercredi 18 janvier 2023, donc, pour l'histoire et la vérité, je décline toute responsabilité dans le cadre de ce fiasco de nos dirigeants, combien maladroits et inhabiles. Tout compte fait, la trêve étant toujours maintenue, la circulation est libre de tout accès. Donc, il faut reprendre la vie d'avant en toute quiétude d'esprit. Jeff, qui signe ça? Kounya là, bam les parties créoles là pour nous, parce que gen moun qui parle français, moun qui francophone qui a suivi Chanel Silla, gen Guadeloupéen, Martiniquais, patati patata tout ça. Est-ce que m'capable lire tout créole là? Qui moun qui fautif? Michel Gédéon te dit, pour vraiment aimer un pays, ou doit manger, boire et puis tendre le chanter. Entre-temps, moi-même, Jeff Cap parlé, à tout moyen, comme dirigeant, moi comprendre que gayon lait pour m'goumer, à qui on lait pour suspendre goumer, lait lait à bon. Qui donc? Moi te connais comment pour m'prendre au thé pendant m'a démontré leadership moi pour communauté moyen ak zone qui entoure yo ak pour tout monde qui prend route nationale numéro 1 chaque jour. Moi décidé déposer zam moi dans pays moi qui gagne en crise identité. Si activité ou pas recommencer après trêve tout moyen, Kembe dans Canaran sur route nationale numéro 1, c'est pas faute moi. Naturellement, ça c'est à cause yon série groupe gang dans sous mat là, jouit quelques faveur avec la police nationale d'Haïti. Gouverneur pays ça a prouvé yon l'autre fois encore que yon pas capable de diriger comme ça doit. Question concernant Port Lafito. Moi songé, moi t'ai déjà dit nous, c'est Jeffrey qui a parlé dans texte là. Dans texte avant moi yo que politiciens yo vire nous dans sec. Yo fait route nationale numéro 1, yon route accès réglementé. Yo tout fait contrat malsain diabolique. À groupe en face là qui c'est G9 en famille qui voulait contrôler APN. Bon, qui dit problème dans texte créole là. Yo joine l'ordre pour dévier conteneur marchandises. Premièrement, malgré trêve yo accordé à Kembe, yo voulait gain propre pour yo. C'est peut-être ça, yo fait quoi que route nationale là c'est une route anarchie, ligne rouge pour gérer activité malsain ak sans honte yo. Bref, depuis coulier a, c'est en vérité puis bonne qualité. Yon certaines entités plus police nationale d'Haïti fait business non extrait l'argent non mais tout le monde qui voulait circuler libre sur route nationale numéro 1 et puis tout puis loin passé trêve là unité PNH là qui contrôlait tank blindé yo a continué embêter moun qui était dans Canara unité ça chaque jour tirer sur moun qui gagne zam automatique à gaz lacrymogène sous population Canara. Unité ça, il est évident que mission li c'est exterminer toute population cananéenne. En tout cas, gagne bon Dieu pour maléré yo. Yo pas capable. Si bateau Catalina Blue t'est coulé dans quai pour la phyto avec 73 conteneurs à bord mercredi 18 janvier 2023, eh bien, c'est comme ça. Pour l'histoire avec vérité, moi refuser toute responsabilité pour fiasco ça dans l'idée maladroite ak inep nou yo. En tout cas, trêve là toujours Kembe, trafic gratis dans tout accès. C'est comme ça au gain pour tourner dans la vie à qu'est posé. Bref, bon. Jeff parlait en français, il parlait en créole. Apparemment texte yo capable de quelques petits failles, mais il exprimé, il accusé la police comme quoi nèg yo a fait business sous route là, gagné une coalition qui fait ensemble avec G9. Question pour la phyto et puis au bail passage sur route là. Si TECSA sorti mercredi, le mercredi qui c'est 18 janvier 2023, attendez bien oui. Bon, me poser quelques questions avant. Est-ce que Jeff a raison ou pas? Parce que si Jeff parlait comme ça, est-ce que c'est par le fait que parce que question APN qui évoquait, là m'envie dit que qui ça Jeff Genamène? Qui ça n'est Canario Genamène? Peut-être que yo ka pas gagné et puis yo ouais gen l'autre groupe qui gen ti bagay nan men yo. Nèg yo besoin activité tout. Est-ce qu'on va comprendre? Si yo évoqué question pour la phyto, APN, patati patata, donc nèg yo besoin activité nan men yo. D'ailleurs, on dit que gen yon papier qui t'a circulé, vrai ou faux, je sais pas. Papier côté nèg yo t'a demandé moun qui gen business $25 000 américains pour être capable permettre que yo fonctionner libre et libre. Ça c'est gros point interrogation parce que apparemment s'il t'est sorti officiellement dans notre écrit, ben ça arrive oui. Ça arrive. Bon, OK. Kounya là mes amis, nèg yo poté boué sous Jérusalem, Corail ak diverses autres zones. Mais juste avant, bamba nous garder quelques petites vidéos et puis avec ti baol tout parce que nèg yo poté boué beau ça lui. Entendez et gardez. Yeah 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 yeah. Ça c'est entrée de poste Corail là. Ripa Taliban au Corail là, actuellement parlant. Yeah, yeah, ça a été pour moi. Mon problème, ça est station moto. Clipa, clipa. Avatar là. Taliban du Canada, y'en qui se à terre, bon, dans deux zones nous là, viens prendre nous, dans ma part, go place là, go nèg, qui est braqué sur moi. Il dit, nous toi t'as descendu, il dit, monsieur, depuis une courir là, balle tête li. Elle me dit, pour qui ça chef là? Là, les nouvelles, il va avoir les nouvelles, il va être téléphoné. Après ça, on continue. Combien de places là, mes amis? On t'y dit, il va avoir un hôtel. Il va piquer de. Il dit, attendez, c'est un bâtalon. La garde est une. C'est pas bizarre. À la haute du campé là. Mais vous avez des caoutchoucs, vous avez garé. Vous avez des gens qui est t'as quand même ça passe dans la zone là, ça crive là qui pas petit coco mon cap coco comme ça. Kep ne yo bay non moun nan même pas changer là. Yo pas la voix yo maman dessus, tu pas yo pas nous tous les trois. Ko bon état là, les nèg yo dit corail li et messieurs. Mes amis, les du courage à messieurs, je ne vais pas citer 150 sur cette bonne place là. Des places là, et puis moi, je vais défiler comme ça. Des petites places qui en bas là. Des petites places là. Mais bon, je vais marrer, je vais traîner les motos, je vais reconnaître. Bon, je vais marrer, je vais traîner dans le roche. Après ça, je dis, monsieur, allez, non, après ça, nous tous les trois, nous tous. Mais non, si je dois aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller, mon cher, j'aimerais que ça on parle de machines en métal aussi. Si tu as dit, on oublie quelques chats, on t'apparaît. Je ne sais pas, malouk. Vraiment malouk pour les gens qui vivent dans Jérusalem avec Corail et puis quelques autres zones. Au point que il y a un citoyen qui relève en personne pour me dire, RL Pro, bagala grave pour nous parce que les talibans dans le Canada envahissent nous là, il y a des bâtons, il y a des affaires. Yo même fait cas de Jacques. Bref, quand j'ai écouté cette information, je me dis, ok, ben mal fait émission. Et puis, je me la ronde dans l'air. Mais ça qui passe, nèg yo pote boué dans zone ça yo. Tendez bien, oui, ça me dit non. Pote boué ça son exaction, hein? Parce que apparemment, des pourrives ou fait des autres ça yo. Donc, des autres fêtes, ou fautifs. Parce que, sous nos zones, même toujours dit nèg yo ça, moun qui dans zone là avec vous, faut qu'on protège yo. Mais gon bagay, oui, gon paquet nèg. Pendant Jeff prend trêve là, gon paquet nèg qui vini de oa, y a volé, nèg a fouillé machine, nèg a fait zac, nèg a fait kadejak. Mais en pile nan nèg sa yo, al prend zone de, t'as capable di yo retranché yo bien sûr dans espace sa yo. Alors est-ce que c'est nèg qui habite en dedans ou bien c'est nèg qui sont de l'autre côté pour venir en dedans? Par le simple fait que les talibans de Canaan, yo t'as des nouvelles ça parce que nèg yo besoin faire activité sur route là tout. Yo besoin faire business yo. Parce que si y a activité nèg yo ka taxer machine, t'as coujan la monsan jou fait là. Ou machine ou ba encore là et pour passer parce que c'est comme ça pays a c'est comme ça le presque a fonctionné nèg yo pote bouré dans zone là mais comme nèg yo doit pas connaître moun ka fait dégâts si là et bien s'entendre à la nèg yo terraillé parce que nèg yo pas la police là pas la police ou ils vont côté bon même la police là ils vont côté le fait exaction pas besoin tout donc ça veut dire nèg yo déraillé est-ce qu'on comprend nèg yo vraiment déraillé et c'est ça qu'il faut ouais toute l'obéi ça yo pété dans zone ça yo je ne veux dire les amis bagay yo en pile. Là, il y a un pile de temps en temps dans l'obéi. Donc, nous souhaitons que moun yo capable de vivre en paix, protéger moun yo, gérer moun yo, bay moun yo une petite chance pour yo capable de vivre tout parce que bagaille aurait dû mes amis les n'a garder pays d'Haïti. Bagaille vraiment vraiment raide. Bon, en tout cas, me quitter nous là dans prochaine vidéo nous va regarder sur Chanel là, nous va la caille commissaire La Fontan. Jacques La Fontan parce que Monsieur La Fontan, mais un journaliste là, Kaili, et puis, monsieur dit, maintenant qu'elle a vive qui équivaut à $500 000 américains. Et est-ce que ça suffit, monsieur La Fontan? Parce que ça qui arrive, on est goufon tikaï pour être avec famille, mais ou un bel appartement qui n'en loyer. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, et 27 ans après 27 ans, vous méritez ça. Bravo pour vous. Si c'est le gain, bravo. Mais si vous avez l'autre qui est à côté tout, il t'a demandé pour faire enquête. Mais monsieur, bon, me dit non, bagay. On parle sous deux côtés. On est qui fait 27 ans, à travail comme ça. Et puis, pour le gain ça, Marquel mérite critique. Mais, si le gain 27 ans, tout le gain plaisir l'autre, on va comprendre parce que n'a pas touché plus que 25 à 30 000 dollars. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, dis à fois mes amis proches ou pour capable abonner à la chaîne. C'est là. Et puis, pas oublier, bah, notre petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!